La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité de ce qu'il a appris de la loi, dans son doute sur la meilleure façon de procéder. Dieu l'aide à choisir son jugement. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assure la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Joseph est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul, le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Toi, Joseph, père de l'accueil, tu ne comprenais pas complètement ce que Dieu te demandait, mais tu as accueilli la venue de Jésus comme un don du Père, dans une confiance sans réserve. Aide-nous à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Père des orphelins, justicier des veuves, apprends-nous à aimer l'étranger et les enfants prodigues qui aspirent à revenir vers le Père. Apprends-nous à ne pas avoir peur. Saint Joseph, accueille notre prière pour nos familles. Que par ton intercession, nos enfants et petits-enfants bien-aimés continuent à porter la joie et la tendresse dans ce monde que Dieu aime. Que l'Esprit de Jésus, ton Fils adoptif, se répand dans leur cœur et ouvre leurs yeux à la présence aimante pour chacun d'eux, pour qu'ils gardent courage et espérance. Saint Joseph, accueille notre prière pour tous les enfants du monde. Apprends-nous la confiance, le courage et l'accueil de la vie. Que par ton exemple et ton intercession, nous soyons toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu, dans notre vie quotidienne comme dans notre relation avec Dieu notre Père. Je vous salue, Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Oh, bienheureux Joseph! Montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous tout mal. Amen.